Alléluia, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite bon dimanche à tous. Je suis la sœur Célestine Boléco de la JCC Grenoble. Nous allons commencer notre prière. Amen. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 103, à partir du premier verset à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui m'a pardonné. C'est lui qui a pardonné toutes mes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. On acclame Jésus. Bien-aimé, en ce dimanche, tu vas adorer Jésus. Tu vas te souvenir de tout ce que ce Dieu-là a fait pour toi. Tu vas repartir en arrière d'où ce Dieu t'a ramassé. Tout ce que ce Dieu a fait pour toi et tout ce qu'il va faire pour toi. Souviens-toi du premier miracle de la grâce que Dieu a accordé pour toi. Bien-aimé, en ce dimanche, tu vas adorer Jésus. Tu vas bénir le nom de Jésus. Parce que je sais qu'il va faire. Même si aujourd'hui, ce Dieu-là n'a pas encore fait. Même si aujourd'hui, je suis encore tourmentée. Je sais que demain, il va faire. Bien-aimé, si nous regardons dans le monde, beaucoup de gens sont atteints du coronavirus. Si nous regardons, il y a beaucoup de gens qui sont morts, que ce soit autour de nous, que ce soit dans la famille même du ministère chrétien du combat spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ont été atteints et qui sont morts. Mais toi, Dieu t'a gardé. Mais toi, Dieu t'a accordé la grâce. Mais toi, Dieu a veillé sur toi. Voilà pourquoi tu vas adorer Jésus. Tu vas lui montrer ta reconnaissance. Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Alléluia. Oh Yahweh, il est vivant. Amen. Yahweh, il est vivant. Alléluia. 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 Amen. Nous t'adorons.
Si les mots te manquent, souviens-toi ne plus que de ce que ce Dieu-là est en train de faire de toi. Voilà pourquoi tu vas élever Jésus. Voilà pourquoi tu vas bénir son nom. Jésus, je lève ton Saint-Nom, car c'est toi le Dieu le miracle. Je lève ton Saint-Nom, car rien n'est impossible à toi. Je lève ton Saint-Nom, car c'est toi le Dieu le papa et le maman Olandi. Celui qui tient moi la chose s'accomplit. Celui qui n'échoue jamais. Celui qui ne tombe jamais. Maranatha est ton nom. Celui qui ramasse dans la boue du péché et fait un sort avec les grands. Celui qui ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui opère sans cicatrice. Le médecin par excellence, c'est toi. Elohim est ton nom. Adonai est ton nom. El Shaddai est ton nom. Le Dieu de toutes les possibilités. Élève, élève ton Dieu. Le fait d'être chez toi ne doit pas être un obstacle. Le fait d'être chez toi ne doit pas t'empêcher d'adorer Jésus. Élève, rentre en profondeur. Discute avec Jésus. Adore ton Dieu. Parle avec lui comme si tu parlais à ton meilleur ami. C'est lui le consolateur. C'est lui le réparateur des cœurs brisés. Le Dieu plein d'amour, c'est lui. Élève, élève ta voix. Élève ta voix, ne te fatigue pas pour adorer Jésus. Élève ta voix pour adorer ce Dieu-là. Celui qui te garde. Celui qui éloigne de toi la maladie. Regarde plus qu'autour de toi. Combien de gens sont décédés. Mais ce Dieu-là renouvelle ses bontés chaque matin. Mais ce Dieu-là veille sur toi. Oh Jésus, je lève ton Saint-Nom. Jésus, je lève ton Saint-Nom. Car c'est toi l'unique et le véritable Dieu. Je lève ton Saint-Nom. Car c'est toi Elohim. Je lève ton Saint-Nom. Car Dieu est Shaddai. Je lève ton Saint-Nom. Car nul n'est comparable à toi, Jésus. Le Dieu de toutes les possibilités. Rien n'est impossible.
impossible à toi, Jésus. Rien n'est impossible à toi. Et même monte dans ton adoration. Élève ta voix, adore Jésus. Tu dois monter dans ton adoration. Oh Jésus. Nako kokani sayonanani. Yozali elonga nangae. Yo zambi nangu ya. Nako kokani sayonanani.
reçois mon adoration, Yahweh. Jésus, cet après-midi, reçois mon adoration. Que mon adoration monte vers toi, Jésus. Que mon adoration monte vers toi, Seigneur. Il est mêlé ta voix d'or, Jésus. Tu ne dois pas te fatiguer. Tu ne dois pas être dans la distraction pour adorer ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui t'aime tellement, qui permet toujours que tu puisses écouter sa parole. Ce Dieu-là qui veille sur tes proches. Ce Dieu-là qui veille sur ta famille. Il est mêlé ta voix d'or, Jésus. Alléluia. Jésus, reçois mon adoration. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Jésus, je lève ton Seigneur. Allons dans la maison de l'Éternel. Même si tu n'es pas sorti, mais tu es quand même dans la présence de Dieu. Amen. Bien-aimé, nous allons louer Jésus. Tu vas danser pour Jésus. Tu vas lui montrer ta reconnaissance. Amen. Bien-aimé, bouge, 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 bouge. Bouge, bouge déjà.
Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le jour où on l'adore. Le jour où on va lui dire merci pour sa fidélité. Elle amène bien. Alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Maman Boleko, ministère chrétien du combat spirituel, siège de Grenoble. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Ozali malamou. Ozali malamou. Ozali malamu, ozali malamu, yaya nangai, ngai na benga yo nani, yaya, na benga yo nani, yaya, na benga yo nani.
na benga yo na ni ayo na ngaye yaya e nzambo yo e nzambe ya mama osho e yaya na ngaye nzambe ya mama e kolo eritage na ngayo na benga yo na nye kolo ngai na benga yo na nyo zuwa lo kumwe zuwa lo kumwe Jésus reçoit l'adoration Sois élevé ce matin, sois élevé l'agneau de Dieu, sois élevé le chevalier de l'Apocalypse, sois élevé celui qui garde et qui protège. Seigneur, nous t'avons vu à l'œuvre, comment tu nous as gardé, Seigneur, par ta grâce, comment tu nous as gardé, Éternel des armées, nous te bénissons, Jésus, laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Sois élevé, Jésus, sois glorifié. Seigneur, nous t'acclamons parce que c'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. Merci encore une fois de plus, Seigneur, pour ta protection, Jésus. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre le programme de la semaine. Alléluia. Amen. Alléluia, là où tu es. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre le programme de la semaine. Le lundi, comme chaque lundi, nous avons notre lundi de lamentation. Un amen est bien. Amen. 19h30, 21h30. Le mardi, nous avons notre chaîne de prière, 10h à 12h. Le mercredi, nous avons notre chaîne de prière, 10h à 12h. À 23h, nous avons veillé. Un amen est bien. Amen. Jeudi, c'est la grande soirée de jeudi lamentation où nous allons crier aux pieds de l'Éternel. Un amen est bien. Amen. Alors, ça sera 19h30, 21h30. Vendredi, c'est la grande veillée. Amen. Amen. Alléluia. Samedi, nous avons quarantaine. Acclame le Seigneur. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous avons dit, tu ne peux pas rentrer comme en confinement et sortir comme tu étais. C'est ta discipline. Depuis le premier jour, on avait annoncé, on a dit, c'est la réussite, c'est la discipline. Nous, de notre côté, la mission, nous avons pris nos dispositions pour garder le programme de Grenoble. On a gardé le programme. Nos programmes sont là, en place, comme si on était à la salle. Aux heures de la salle, nous mettons chaque programme en ligne aux mêmes heures. Un amen est bien. Alors, c'est ta discipline, c'est ton engagement dans là où tu es, dans ta maison. Un amen est bien. Alléluia. Aux heures de chaîne de prière, tu arrêtes et tu fais ta chaîne de prière. Aux heures de lamentation, tu arrêtes et tu fais. C'est le programme que nous avons à la salle. Nous n'avons rien changé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Acclame le Seigneur là où tu es. Je veux lire. Je vais lire Malachie 3,
Un amen est bien. Amen. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance pour vous. Je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la ville ne serait pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est le temps de nos dîmes, de nos offrandes. Pourquoi nous, sièges de Grenoble, on continue à faire nos offrandes, on continue à faire nos dîmes? Parce que nous avons... Notre lieu de prière, c'est une salle. Ça n'appartient pas au ministère chrétien du combat spirituel. Nous louons. Un amen est bien. Pendant le confinement, la salle est là. Nous occupons la salle. Alors, nous avons le devoir de payer la salle. La salle, on la paye comment? Un amen est bien. Dans ce ministère, il n'y a pas de subvention. Chaque siège s'occupe de son siège. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous, avec nos dîmes, avec nos offrandes, c'est ce qui fait que nous payons la salle. Non seulement la salle, mais nous payons les charges de la salle. Un amen est bien. Amen. Nous payons les factures de la salle. L'eau, l'électricité, les assurances, les téléphones. Un amen est bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Et nous avons notre bergerie aussi, bien sûr. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos dîmes, nos offrandes. Nous allons prier. Le Seigneur dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui s'engage. Amen. C'est Dieu qui dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, qu'il ne manque rien, que la salle soit payée. Le confinement va finir dans quelques semaines. Un amen est bien. Amen. Mais nous irons où? C'est à notre salle. Nous allons regagner la salle. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Même si après le confinement, nous n'allons pas regagner la salle tout de suite, mais c'est notre salle à nous, c'est notre maison. Un amen est bien. C'est là où on appelle la maison du trésor. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Nous allons prier. Éternel, le Dieu puissant, le Dieu de la Bible, c'est toi qui as ordonné cette loi pour qu'il ne manque rien dans ta maison. Seigneur, nous te présentons nos dîmes, nos offrandes, nos libéralités pour l'avancement de ton œuvre. Éternel, tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons fait notre partie, Seigneur. Voici nos dîmes. Voici toutes les mains qui ont travaillé. Voici nos offrandes, Seigneur. Daigne les agréer. Daigne les sanctifier par ton nom, par ta parole. Éternel des armées, que les écluses des cieux soient ouvertes pour mon frère, pour ma soeur, pour moi. Seigneur, menace le dévoreur. Éternel des armées, qu'il ne manque rien dans nos maisons. Merci Jésus, parce que tu es oui, amen. Tu accomplis ta parole. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Alors nous allons louer le Seigneur pour accueillir la parole. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est le jour où nous adorons le Seigneur. C'est le jour réservé exclusivement au Seigneur. Où nous avons tout arrêté juste pour l'adorer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, avant d'écouter cette parole qui va nous conduire à l'adoration, nous allons louer l'Éternel quelques minutes. Sonnons, s'il vous plaît.
Seigneur, nous gardons chaud. Alléluia. Elle amène bien. Amen. Cher Saint-Esprit, viens glorifier le nom du Seigneur Jésus. Que la chair se taise, mais que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus. Père, nous recommandons ces moments si on tes saintes mains. Que ton sang nous couvre, nous protège, nous garde, ainsi que tout ce qui est à nous. Seigneur, nous recommandons ton peuple en tes saintes mains. L'homme de Galilée, que toute pensée soit captive à l'obéissance de Jésus. Toi, le Dieu puissant, le Dieu de papa et de maman Olingi, laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Seigneur, je me présente devant toi comme un simple canal que tu as choisi pour éteindre des armées, déverser tes oracles. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous étions depuis plus d'un mois en confinement. Alléluia. Amen. Nous sommes encore. Nous sommes en train d'avancer. Nous allons partir. Nous allons sortir du confinement bientôt. Et amenez bien. Amen. Ce que j'ai compris, que le monde, la terre, ne va plus être comme c'était avant. Amen. Parce que beaucoup de choses vont changer. Tant physique que spirituel. Notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon de faire les choses, beaucoup de choses vont changer. Et amenez bien. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, pour nous ici en France, on nous dit qu'on va rester avec les masques. C'est aussi un changement. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ça va changer beaucoup de choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre façon aussi doit changer. Notre marche doit changer. Notre façon d'être aussi doit changer. Un amen est bien. Amen. Voilà pourquoi, pour l'adoration d'aujourd'hui, nous avons choisi un thème. La conversion et l'enlèvement. Nous sommes dans notre jeûne de 50 jours pour attendre le Saint-Esprit. Et amen est bien. Amen. Pour la Pentecôte. Alléluia. Amen. C'est biblique, on en a parlé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'enlèvement. Et la conversion et l'enlèvement. Et amen est bien. Amen. Vous savez, le ciel, c'est quelque chose qu'on ne doit pas jouer avec. Parce que nous prions pas seulement pour ceux qui, les célibataires, sont en train de chercher le mariage. Ceux qui n'ont pas l'argent sont en train de chercher l'argent. Ceux qui sont malades sont en train de chercher la santé. Mais nous prions le couronnement de toutes ces choses-là. Le plus important, c'est l'héritage du royaume des cieux. On ne peut pas marcher comme on veut sur la terre et puis un jour espérer le ciel. Alléluia. Amen. Nous parlons du ciel, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un enfer. On ne peut pas rater tous les deux. On ne peut pas rater et le ciel et l'enfer. On ne se trouvera nulle part. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de nulle part dans cette histoire-là. Amen. Ou tu rates le ciel, tu vas en enfer. Ou tu rates l'enfer, tu vas au ciel. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Le chemin pour aller en enfer, c'est facile. Mais le chemin pour rentrer au ciel, c'est très, très difficile. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on lise un verset que j'aime beaucoup. Matthieu 19, le verset 24. Le verset 24. Verset 24. Ouais. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Il est écrit ceci. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Un amen est bien. Amen. Ça veut dire que c'est difficile. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit qui connaît le chemin. Amen. Les gens, ils disent que tout chemin mène à Rome. Mais pour aller au ciel, ce n'est pas tout chemin. Amen. Le seul chemin qui amène au ciel, elle amène bien. Amen. Moi, je crois que c'est le chemin de la sanctification.
Elle amène bien. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous prendre par la main, qui va nous conduire. Elle amène bien. Amen. Vous savez, la vie sur terre, quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça ressemble à une marche. Elle amène bien. Amen. Cette marche-là, elle est faite de principes. Elle est faite de lois. Elle amène bien. Oh. Amen. Nous sommes dans le monde. Il y a beaucoup de choses dans le monde. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, l'homme hein, aime ceux qui frappent les yeux. Alléluia. Elle amène bien. L'homme aime tout ce qui scintille, tout ce qui frappe les yeux. Mais nous sommes dans ce monde, même ceux qui frappent les yeux, même ceux qui te touchent le cœur. Alléluia. Mais si ça n'amène pas au ciel, on n'y touche pas. Alléluia. Le chemin du ciel, ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce qu'on prêche la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on enseigne les affermissements. Ce n'est pas parce qu'on est missionnaire. Ce n'est pas parce qu'on est diacre. Ce n'est pas parce qu'on est prêtre. Alléluia. Il y a une seule chose. C'est la sanctification qui amène au ciel. Alléluia. Eh? Amen. Vous avez écouté. Il serait plus facile. Vous connaissez la masse du chameau. Vous connaissez la masse du chameau. On dit il est facile à un chameau de rentrer dans le trou de l'aiguille. C'est-à-dire le chemin pour aller au ciel, c'est difficile. C'est pas un jeu. C'est pas comme on va à la salle pour adorer. C'est pas comme on va peut-être, je ne sais pas où, pour adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Ça demande ce qu'on appelle la conversion. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes nés dans le monde. Nous avons trouvé les pratiques. Nous avons trouvé la façon de faire. Alléluia. Amen. Mais la conversion, amen, ce sont ces choses-là que nous avons trouvées. Les coutumes, les lois que nous avons trouvées, les législations que nous avons trouvées sur la terre, elle amène bien. La conversion veut dire quoi? La conversion veut dire changement radical de direction. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Cette direction-là sera conduite par le Saint-Esprit. Cette direction-là sera gérée par la parole de Dieu. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est un changement de vie. Nous allons sortir du confinement. C'est-à-dire ce que nous avons laissé dehors là. La vie que nous avons laissée, ce n'est pas cette vie-là. En sortant de ce confinement, on ne doit pas reprendre les mêmes choses. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous nous sommes dit, pourquoi le Seigneur a laissé passer ces choses? Elle amène bien. Amen. Il doit avoir un changement de vie. Un changement de voir les choses, un changement de comportement. Elle amène bien. Amen. Un changement de marché, un changement d'habitude, un changement de réaction, un changement du moi. Il doit avoir un changement. Elle amène bien. Vous savez, pendant le confinement, les gens croyaient que c'était la fin du monde. Beaucoup croyaient que c'était la fin du monde. Il y a eu beaucoup de gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais est-ce que tout ce monde-là, et nous qui étions là avant, est-ce qu'on est convertis? Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Pierre a marché avec Jésus. Il connaissait Jésus. C'était lui qui était là avec Jésus. Mais quand Jésus devait monter, il dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu, Pierre? » Trois fois, Pierre a pleuré. Elle amène Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Il lui dit, « Quand tu seras affermi. » Alléluia. Amen. L'affermissement dont le Seigneur parlait, c'est la conversion. Alléluia. Amen. C'est la conversion. Cette conversion commence dans le cœur. Ça sort sur les habitudes et ça impacte les vies. Et amen, eh bien, amen. On ne peut pas parler de la part du Seigneur et ne pas être converti.
Il n'y a pas de mélange dans la conversion. Je sais que la conversion, c'est un processus. Mais il n'y a pas de mélange. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas, le matin, on est païen. L'après-midi, on est chrétien. Non. La conversion, c'est le changement de direction. Un changement que j'ai appelé radical. Alléluia. Amen. Vous savez, le chemin du ciel, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas un cadeau. Le moi doit tomber. Et le nous doit tomber. Amen. Le moi doit tomber. Amen. Ce que j'étais doit tomber. C'est-à-dire qu'on me regarde. L'évangile est dans la conversion. L'évangile, ce n'est pas seulement parler. L'évangile, c'est notre marche. Il y a d'autres personnes qui sont converties parce qu'ils ont seulement regardé leur leader. Elle amène bien. Amen. Aujourd'hui, Maman Langue n'est plus. Mais quand nous regardons ce que Maman Langue était en train de faire, c'est un modèle. Ça nous plonge dans la conversion. Amen. On regarde, ah, Maman Langue tranchait pour le problème là comme ça. Ah non, Maman Langue faisait comme ça. Elle amène bien. Amen. Alléluia. L'évangile, c'est pas seulement prendre le micro. C'est-à-dire, c'est le changement de comportement. C'est le changement de voir les choses, le changement de parler, le changement de trancher les choses, le changement de voir les choses, le changement du comportement, c'est ça aussi l'évangile. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit les hommes dans la conversion. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quand une personne est convertie, ne marche plus selon le moi. Quand je répète, quand une personne est convertie, ne marche plus selon le moi. Si tu marches encore sur le moi, ça veut dire que tu marches en contre-courant avec le Saint-Esprit. Tu marches en contre-direction avec le Saint-Esprit. Alors qu'on devait passer, le Saint-Esprit devait conduire nos pas. Devait conduire notre regard, devait conduire tout ce qui sort de nos bouches. Quand le Saint-Esprit, la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche de l'homme parle. Mais quand ton cœur est rempli du Saint-Esprit, tout ce que tu vas dire, c'est ça qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, une personne, quand elle est convertie, c'est ça le chemin de l'enlèvement. Il n'y a pas un autre chemin. Un amen est bien. Amen. Il n'y a pas deux chemins. C'est quand vous êtes converti, vous êtes sur le chemin du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chemin est fait de quoi? Le chemin est fait de l'obéissance à la parole de Dieu, au principe de Dieu, aux lois de l'Éternel, alléluia, amen. À l'écoute du Saint-Esprit. Un amen est bien, c'est-à-dire quand je veux faire quelque chose, je veux faire quelque chose, je veux poser un acte, je veux faire sortir quelque chose de ma bouche, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est en harmonie avec la parole de Dieu? Un amen est bien. Nous allons lire la parole de Dieu, Marc 10, le verset 17 à 21. Marc 10, 27. Oui, le verset 17 à 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, «
il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Amen. Elle amène bien. Amen. Pour une meilleure compréhension, le verset que je voulais qu'on lise cet après-midi, c'est le verset 21. On a pris pour rentrer dans le contexte. Un amen, le 17, depuis le 17. Je relis le verset 21. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Yeah, va, vends tout ce que tu as. Qu'est-ce qu'on doit vendre? La Bible aussi nous dit quelque part, aimez les pauvres, car c'est eux qui hériteront le royaume des cieux. Ah. C'est-à-dire, ce monsieur-là, on lui donne tout, on lui dit, hein, vends tout. C'est-à-dire, vends tout ce qui est à toi. Vends tout et suis-moi. Hein? Donc, tu dois rester seul. Alléluia. Amen. Pour hériter le royaume des cieux. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Quelque part, on nous dit, heureux les pauvres. Car c'est eux. De quelles richesses dont on parle? Un amen est bien. Amen. Qu'est-ce que l'homme doit vendre? L'homme sur la terre a amassé des richesses, des richesses, des richesses, des richesses. Et un amen est bien haut. Amen. L'homme est riche sur la terre. Alléluia. Amen. L'homme a amassé les richesses. La façon de se comporter, c'est une richesse. La façon de parler, c'est une richesse. Les choses, c'est une... La façon de trancher, c'est une... C'est-à-dire, on a amassé ça. On est venu trouver ça sur le monde. Elle amène bien. On a trouvé ça dans ce monde. Alléluia. La façon de parler, la façon de marcher, la façon de juger, la façon de se comporter, ça, c'est les richesses. Elle amène bien. Si ça ne vient pas du Saint-Esprit, ce sont les richesses inutiles. La façon de se comporter du monde, la façon de marcher du monde, la façon de voir les choses du monde, la façon de parler, la façon de trancher, la façon de traiter, ce sont ces richesses-là qui sont en opposition avec la richesse du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est en opposition. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Quelle richesse on a? Quelle richesse j'ai? Est-ce que ma façon de trancher les choses, c'est ça ce que le Seigneur veut? Est-ce que c'est-à-dire l'homme a amassé des... C'est-à-dire l'homme ne sait pas voir sa vie avec justice. C'est une richesse. On regarde sa propre vie, mais on voile. C'est une richesse. Le Seigneur te dit aujourd'hui, vends toutes les richesses que tu as. Ta façon de voir les choses du monde, ta façon de parler du monde, ta façon de trancher les choses de Dieu du monde, ta façon de se comporter du monde. Le Seigneur nous dit, on doit se dépouiller cet après-midi pour hériter le royaume des cieux. Tu dois te dépouiller. Ces richesses amènent à la mort. Ces richesses amènent à la mort. Ça commence par la mort spirituelle, et ça s'enchaîne vers la mort physique. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Les richesses inutiles, l'homme a amassé. L'orgueil, le moi, les choses du monde. Elle amène bien. Amen. On peut se mettre comme ça, en train d'édifier le peuple de Dieu, mais on commence à citer tout ce qu'on a. Ça, c'est les richesses. Ça n'a rien à voir. Tu peux tout avoir. C'est pas la voiture qui fait rentrer quelqu'un au ciel. C'est pas l'argent qui fait rentrer quelqu'un au ciel. C'est pas les honneurs, c'est pas le moi, c'est pas le grand nom qu'on a, c'est pas je ne sais quoi. Ce qui fait rentrer quelqu'un au ciel, c'est les richesses, c'est les dons du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est l'humilité. Un amen est bien. Amen. C'est quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est votre façon de marcher qui plaît à Dieu, qui honore le Seigneur, qui édifie le peuple de Dieu. Quand on se lève aujourd'hui, on peut dire, moi j'ai les voitures en sachet, moi j'ai ceci, moi j'ai... Mais ça là, ça n'a rien à voir, c'est loin des choses de Dieu. Amen. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Les richesses dont Dieu aime, nous allons lire ça.
Marc 12, le verset 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Un amen est bien. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Le verset 30 nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Mais les richesses du monde nous donnent le contraire de ça. Alléluia. Vous voyez même les inégalités dans le monde. Alléluia. Amen. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire il y a des choses que tu ne peux pas faire à ton prochain, il y a des langages que tu ne peux pas tenir devant ton prochain, il y a des choses que tu ne peux pas faire à ton prochain si tu obéis à cette parole. C'est une grande richesse. Aimer son prochain. L'amour. Alléluia. Amen. Le vrai, vrai. Alléluia. Amen. Les jalousies. D'où viennent les jalousies? La jalousie, c'est une richesse venant du monde. Aujourd'hui, c'est une journée de dépouillement. L'adoration d'aujourd'hui, c'est l'adoration où on doit se dépouiller de toutes les richesses qui n'honorent pas les Seigneurs, les jalousies. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, si tu vois aujourd'hui l'autre est béni, tu vas dire, oh, Jésus a gagné. Si tu vois quelqu'un qui est en train d'émerger, si tu vois quelqu'un qui est en train de réussir, si tu vois quelqu'un qui est en train de faire des exploits avec le Seigneur, tu diras, oh, gloire à Dieu, le royaume est de Dieu. C'est-à-dire, ce qui compte, ce n'est plus nous. Ce qui compte, ce n'est plus nous. Je reprends, ce qui compte, ce n'est plus nous. Ce qui compte, que le peuple de Dieu soit béni, que le peuple de Dieu soit béni, que le peuple de Dieu ait la bonne nourriture spirituelle, que le peuple de Dieu hérite le royaume des cieux. C'est ce qui est important. Un amen est bien. Amen. C'est ce qui est important. Je connaissais une dame. Quand j'ai fait mon séminaire à Kinshasa, un amen est bien. J'ai fait le séminaire, le dernier jour du séminaire, maman a pris la parole. Elle était très fière. Elle a dit, je suis dans la joie parce que j'ai formé. Un amen est bien. J'ai porté mon chapeau. C'est ça. Le vrai amour. Transmettre ce qu'on a aux autres. Voir comment les autres aussi ont compris la parole de Dieu. En train de servir le Seigneur. En train de parler de la part du Seigneur. En train de amener à grandir l'espace de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de travailler pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Si on a l'amour du prochain, il n'y aura pas de jalousie. Amen. Quand je vois quelqu'un, je bénis le Seigneur parce que je sais, Dieu se glorifie. Amen. Un amen est bien. Amen. La méchanceté. Alléluia. Amen. La méchanceté dans la parole. C'est une richesse du diable. La méchanceté dans le regard. La méchanceté dans les actions. Ça ne fait pas partie de la richesse de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'adoration du dépouillement. Alléluia. Amen. Quand on a l'amour, on est patient. On est patient avec les autres. Avec le prochain. Parce que là, il n'y a que deux choses pour l'homme. Il y a Dieu, le prochain et toi-même. Dieu, ton prochain et toi-même. C'est ça le bilan de la vie. Même ton propre enfant, c'est ton prochain. Même ton mari, c'est ton prochain. Tes enfants, ce sont tes prochains. Elle amène bien. La parole de Dieu, ça, la personne qui prie avec
de toi, c'est ton prochain. Ton voisin, c'est ton prochain. Ton collègue de travail, c'est ton prochain. Tu ne vas pas le chercher au ciel. Il est là tous les jours, devant toi. Il marche avec toi, il se réveille avec toi. La parole de Dieu s'applique qu'à ces trois catégories de personnes. Il y a Dieu que tu aimeras de tout ton cœur. Il y a ton prochain et il y a toi-même. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Avec les richesses du monde, on ne peut pas monter au ciel. Les richesses du monde sont lourdes. Aujourd'hui, les gens parlent du ciel comme un jeu. J'aimerais dire, tout à l'heure, on a lu, il sera plus facile à un chameau de passer dans le trou de l'aiguille qu'à un homme de rentrer au ciel. Ça veut dire que ce n'est pas un jeu. Nous allons sortir du confinement. Ce n'est pas un jeu. Cette période, c'était pour que nous faisons le bilan de nous-mêmes. Que je fasse mon propre bilan en tant que peut-être missionnaire. Que toi qui es je ne sais pas qui, que tu fasses aussi ton bilan par rapport à ce que l'Éternel dit. Alléluia. Le royaume des cieux, ce n'est pas un jeu. C'est filtré. C'est pas la grâce. Oh non, je vais rentrer seulement comme ça. Mais non. Mais sinon les pécheurs, mais sinon les impudiques, mais sinon les voleurs, mais sinon les sorciers, les meurtriers, ils rentreront aussi par la grâce. Tu dois changer radicalement ta façon de marcher. Je dois changer radicalement ma façon de trancher, de voir, de traiter les gens. Et amène bien. Alléluia. C'est pas qu'on dort, on se réveille. Alléluia. On se dit que là, demain, je vais rentrer au ciel. C'est pas le chemin pour aller dans la chambre quand même. Acclame le Seigneur. Nous allons quand même lire trois versets. Comme ça, nous allons conclure. Luc 21, le verset 27. Luc 21, le verset 27, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Amen. Apocalypse 1, le verset 7. Apocalypse 1. Je lis le verset 7, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi se lamenter? Mais si tu es bien, si tu es propre, si tu t'es dépouillé des richesses qui ne valent absolument rien, un amen bien, tu vas te lamenter pourquoi? Tu attends. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez les gens qui sont propres. Les gens qui ont lavé leur robe. Ils n'ont pas peur de la mort. Hein? Quand vous voyez que quelqu'un se bat, ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Elle amène bien. Amen. Alléluia. On dit, il y viendra dans les nuées avec gloire. Vous croyez que si tu n'es pas propre, tu vas rentrer dans cette gloire-là. Alléluia. Amen. Cette gloire-là, c'est donnée pour les gens qui vont faire leur bilan ce soir, qui vont faire le changement ce soir, qui vont marcher par rapport à la parole de Dieu. Elle amène bien. Amen. Il viendra dans les nuées. Tout eux, il le verra. La Bible nous dit même, il viendra comme un voleur. Personne ne sait le jour. Moi, j'écoute maintenant beaucoup de commentaires sur l'enlèvement, sur Jésus-Christ vient, sur la fin du... On dit, il viendra. Dieu n'a pas changé la parole. En tout cas, ma Bible, elle est restée. Hein? Amen. Dieu n'a pas changé sa parole. Il a dit, il viendra dans les nuées. Tout eux, il le verra. Avec une gloire. Alléluia. Amen. Et les morts qui sont morts en Christ hein, se réveilleront. Et amène bien. Amen. Et ils vont monter.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps de faire son bilan. Pas à cause de quelqu'un. Moi, j'appelle ça le bilan fait avec une justice sur moi-même. Pas à cause de quelqu'un, ni pour quelqu'un, mais pour moi-même. On doit parler ces derniers temps des choses utiles, des choses qui amènent les gens au ciel. Alléluia. Amen. La Bible même, aujourd'hui, beaucoup parlent les richesses, je ne sais quoi, toutes ces choses-là. Si vous avez le royaume des cieux, si vous êtes aligné, si vous êtes sur le chemin du ciel, ça viendra sur quoi? Amen. On ne va pas forcer pour avoir ça. Amen, amen. Un amen est bien. Amen. Ce sont des cadeaux. Alléluia. Amen. On ne va pas se battre pour ça. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Vous savez, la vie ici, c'est un moment, c'est une période limitée. Mais le ciel, c'est l'éternité. Voilà pourquoi le sujet du ciel, il ne faut pas jouer avec. Le sujet pour aller au ciel, pour être candidat, pour que son nom soit inscrit, il ne faut pas jouer. Il faut commencer à faire le bilan. 1 Samuel 10, frère, le verset 6. 1 Samuel 10, le verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Amen. Tu seras changé en un autre homme. On ne peut pas voir l'Esprit du Seigneur si on est toujours l'ancien homme. Si on a l'Esprit du Seigneur en nous, ce n'est pas à nous de prophétiser qu'on a changé, mais les gens qui nous regardent, ils vont regarder le changement en nous. Amen. Alléluia. Amen. On peut faire des semblants, on peut faire tout ce qu'on sait, un amen et bien. L'Esprit du Seigneur a ses fruits. Oh, l'Esprit du Seigneur nous donne les fruits. Et volontairement, tu vas voir les fruits là sortir en toi et ça va abreuver les autres. Amen. Ça ne va pas les tuer. L'Esprit du Seigneur, si tu l'as, tu es un autre homme. Les choses anciennes sont parties. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Un amen est bien. Amen. Nous attendons la Pentecôte. Au sortir de la Pentecôte, on doit être des autres hommes. Un amen est bien. Amen. Si tu ne l'es pas encore, demande la Pentecôte tous les jours. Amen. Pour que tu sois changé, pour que tu aimes ton prochain comme toi-même, pour que tu aimes l'Éternel de tout ton cœur. Un amen est bien. Amen. Vous savez, il n'y a que trois choses. Il y a Dieu, il y a moi et il y a mon prochain. Amen. Alléluia. Amen. Si je commence à traiter mon prochain comme moi-même, ça veut dire que j'ai hérité le royaume des cieux. Si je commence à aimer Dieu, un amen est bien. Alléluia. Si je commence à aimer Dieu de tout mon cœur, j'ai hérité le royaume des cieux. C'est l'adoration du bilan. Marc 8, le verset 36. C'est, est-ce que j'ai encore les richesses de ce monde ou j'ai les richesses dont l'Éternel ne me pas laissé? Marc 8, le verset 36, au nom de Jésus-Christ. Uh-huh. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? La parole du Seigneur. À quoi bon amasser les richesses qui sont en opposition avec la parole de Dieu? Les richesses qui sont en opposition avec l'Esprit du Seigneur. À quoi bon? L'adoration d'aujourd'hui
c'est l'adoration du bilan. Tu vas regarder ta vie. Moi, je vais regarder ma vie. Partout là où je suis. Quel rang j'occupe, moi, je ne sais pas. Mais moi, à mon niveau, je dois regarder ma vie. Pas par rapport à quelqu'un. Par rapport à ce verset qui me dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Par rapport au verset qui dit, vends. Vends. Vends la méchanceté. Vends les jalousies. Vends la colère. Vends tout ce qui est inutile, tout ce qui est vil. La Bible même dit, il faut séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. On ne peut pas avoir l'Esprit du Seigneur si on a encore des choses viles au-dedans de nous. Ce soir, je t'invite, mon frère et ma soeur, au bilan. Pendant que toute la terre entière est dans le confinement, n'accepte pas de sortir avec les richesses du monde qui sont en opposition avec la parole de Dieu. Les choses de Dieu sont simples, c'est l'homme qui les complique. Aime ton prochain comme toi-même, point barre. Ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne le ferai pas à l'autre. La jalousie que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne le ferai pas à l'autre. La méchanceté que je ne veux pas qu'on fasse à l'autre, qu'on me fasse, je ne le ferai pas. C'est simple. C'est trois personnes. Dieu, l'homme et toi-même. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame le Seigneur là où tu es. Nous allons adorer le Seigneur. Bien-aimé, prends la position qu'il te faut pour adorer ton Dieu. Ce Dieu-là qui nous a parlé. Ce Dieu-là qui veut que nous puissions, bien-aimé. Bye.
pas adoré Yahweh, toi qui m'as parlé Jésus, toi qui veux que je puisse sortir des richesses de ce chemin, toi qui veux que je puisse sortir des richesses qui ne profitent pas à tes bénis, toi qui m'as parlé Yahweh, toi qui veux que je puisse aimer mon prochain, toi qui veux me préparer à accueillir le Saint-Esprit. Jésus, merci pour ta parole, merci Seigneur pour ta parole. Celui qui veut nous préparer.
Dieu, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Dieu de papa et de maman Olingui. Le Dieu qui est rempli d'amour. Celui qui ne délaisse jamais ses enfants. Sois élevé, Jésus. Seigneur, l'unique et le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu de papa et de maman Olingui. Jésus, je lève ton saint nom. Majesté est ton nom. Majesté est ton nom. Le ressuscité du troisième jour, c'est toi. Le lion de la tribu de Juda, c'est toi. Celui qui ne tombe jamais. Celui qui ne délaisse jamais ses enfants. El Shaddai est ton nom. El Elyon est ton nom. Celui qui opère sans cicatrice. Celui qui brise les lois établies. Celui qui ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu de toutes les possibilités. Sois élevé, Jésus. Sois adoré, Yahweh. Jésus, je lève ton Saint-Nom. Jésus, je lève ton Saint-Nom. Car c'est toi le Dieu de toutes les possibilités. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Qu'elle élève ta voix, adore Jésus. Élève ta voix pour adorer ce Dieu-là qui t'a parlé. Ne sois pas dans la distraction. Rentre en intimité avec ton Dieu. Adore-le en esprit, en vérité. Adore-le, bien-aimé. Élève ta voix, adore Jésus. Discute avec Jésus. Comme si tu discutais avec ton meilleur ami. Bien-aimé, parle à Jésus. Adore ton Dieu. Celui-là qui t'aime tellement. Celui qui renouvelle ses bontés chaque matin. Celui qui va toujours te ramener sur le droit chemin. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous aime. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Le programme de la semaine, lundi, nous avons notre soirée de lamentation. Mardi, chaîne de prière. Mercredi, nous avons chaîne de prière le matin. Le soir, nous avons notre veillée. Jeudi, c'est la grande soirée de lamentation. Vendredi, nous avons notre grande soirée de veillée. Un amen est bien. Amen. Le samedi, nous avons la quarantaine. Dimanche, adoration. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. 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 Yeah.
Amen. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus, nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Merci parce que c'est toi qui nous as parlé. Cette semaine, Seigneur, c'est la semaine du bilan. C'est la semaine éternelle des âmes où nous allons regarder nos vies avec justice. Éternel, nous recommandons ton peuple en tes saintes mains. Que le Saint-Esprit continue à nous parler. Que ton sang nous couvre, nous protège, nous garde. Nous avons vu ta fidélité, Seigneur. Comment tu nous as protégés, Seigneur, Papa, dans ces villes. L'homme de Galilée, laisse que la gloire ne revienne qu'à toi. Nous voulons encore une fois de plus nous recommander en tes saintes mains. Que tu nous protèges, que tu nous gardes. Nous recommandons, éternel des âmes, la terre tout entière en tes saintes et divines mains. Que ton sang, éternel des âmes, mon Dieu, mon roi, nous protège, que personne ne nous fasse du mal. Parce que nous portons en nous tes marques, éternel des âmes. Que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, puisse conduire dorénavant nos pas sur le chemin du ciel, au nom de Jésus-Christ. Que lui, le Saint-Esprit, qui peut convertir nos cœurs, qu'il continue à nous convertir, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonne semaine. Amen.